Si tu rencontres une humeur féroce, ne crains rien. Tâche de rester calme. Alors essaie de sympathiser. Dis bonjour, propose-lui une promenade. Tu peux commencer en visitant les endroits qui te rendent heureux. La bibliothèque, la pâtisserie. Ton loup rouspétera peut-être alors que tu tenteras de le distraire, mais quelques grognements n'ont jamais fait de mal à personne. Si tu as un cerf-volant, fais-le voler. Ce qui est bas peut monter bien haut, tu verras. Si l'humeur féroce est celle d'un autre, alors sois patient. Les loups ont parfois besoin d'encouragement. Une fois que le loup sera fatigué de hurler, demande-lui s'il aimerait avoir quelques friandises, des fraises ou peut-être un petit gâteau. Sois créatif. Improvise en cours de route. Soul a mountain. Could I tell them not to worry if it rains? Des créateurs de Fourchon, l'histoire de deux sœurs, l'une bleue, l'autre radieuse, les deux débordantes d'imagination.